Donc, Jennifer, comment c'est cette semaine, en fait, d'être à Gatineau devant les partisans québécois, de recevoir une grosse vague d'amour en pleine préparation pour les Jeux olympiques? C'est vraiment le fun de voir qu'il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées pour venir nous voir. Ça nous encourage toujours, puis ça donne un boost d'énergie aussi. T'es montée sur le podium aujourd'hui aux 3 mètres. Parle-moi un peu de ta performance. Je suis pas très satisfaite de ma performance aujourd'hui. J'ai fait plusieurs erreurs, puis comme on a pu le constater, j'ai manqué un peu 4 plongeons sur 5, donc c'est vraiment pour moi décevant. Mais en même temps, tu sais, quand on manque, puis on est quand même assez proche de la plus haute marge du podium, ça regarde bien, puis on est quand même assez fatigué, donc c'est ce qui fait la différence entre quand on a des belles performances et des moins bonnes. Vous allez avoir le temps de vous reposer d'ici les Jeux, j'imagine, entraînement après la fin de la saison? Oui, c'est sûr, on va avoir un bon temps à la maison avant les Jeux pour justement se reposer, s'entraîner fort, puis être dans notre meilleure forme.